Salut les gens, c'est BlackKings123 et aujourd'hui on se retrouve une pour une spéciale. Je sais qu'il y a 4. Alors je tiens à dire parce que là ça me fait un peu. Hein, j'ai déjà fait cette vidéo. Le problème c'est qu'en fait j'ai eu un énorme bug et je sais pas, mais j'arrivais plus en fait à démarrer le jeu. Enfin, démarrer la, on va dire la partie. J'arrive à démarrer le jeu, mais lors du chargement et tout ça marche pas. En fait, tout simplement c'est parti que j'avais. Enfin, donc j'avais déjà tout fait et tout. J'avais commencé la vidéo, j'étais à la limite de m'arrêter. À l'heure actuelle, j'avais déjà fini la vidéo. Mais je sais, en fait, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. J'avais trouvé un endroit et tout. C'est pas grave. Et puis en fait, en me baladant un peu dans cet endroit, j'ai une grosse baisse de FPS. Donc j'ai cherché, on va dire, à régler un peu les paramètres. Et puis là, j'ai réglé les paramètres, et puis là, bam, erreur fatale de GTA 4, Donc alors, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ça existe, c'est failli dans les vidéos. Donc, j'ai continué, j'ai rouvert le jeu. Je couperai ça au montage, enfin, je couperai ça au montage, c'était déjà coupé, justement. Enfin, bref, on s'est compris. Et bah, il s'avère que j'ai enchaîné fail sur fail, et que ça marchait toujours pas. What the fuck? J'ai derrière écrit what the fuck sur le machin. Et puis j'arrivais vraiment plus à démarrer le truc. Donc alors là j'ai réussi à faire des trucs et j'ai réussi à ouvrir le jeu. Alors en espérant que j'aurai pas de crash. Là ça va, j'ai assez de FPS. Donc alors, le problème c'est que j'avais parlé tout dans la vidéo, du coup je vais tout redire, ça qui est énervant. Je vais parler un peu dans cette vidéo des autres projets de la chaîne, et au passage, avant de parler de tout ça, voilà, j'ai terminé GTA 4. Enfin, comme vous pouvez le voir, j'ai plus aucune personne qui propose des missions. GTA 4, j'ai terminé, pas 100%. C'est-à-dire qu'il manque encore des trucs du genre les cascades uniques. J'avais oublié que j'avais pas le gun mode. Parce que oui, maintenant, j'ai réussi à mettre les cheats. J'avais pas non plus le car gun mode et je crois que ma voiture a un peu souffert. Alors là, je suis content parce que je joue en plein mode d'affichage et que ça lag pas trop. Boum. Alors oui, donc j'ai fini le jeu, il manque plus que les cascades, les pigeons et tout. Oh la vache, je vais mettre ça et puis ça, ça fera bien. Puis ça, oh il y a des gens qui veulent ma peau. Hop. Donc alors je vais prendre cette voiture, j'aime bien. Bon, monte dedans, Bibitch. Pardon, Ecobélique. Oh la vache. J'ai sursauté. Faut pas le lire. Alors, ouais, donc, dans cette vidéo, j'ai aussi parlé un peu des projets de la chaîne, parce que du coup, comme j'ai terminé le jeu, c'est plus trop des vidéos gameplay, mais plutôt des... Vraiment, là, des vidéos détente. Enfin, après, peut-être que dans les prochaines vidéos détente, peut-être que déjà, ça sera sur d'autres jeux. Et peut-être que déjà je referai une partie, on va dire, spéciale pour les vidéos détente. Je pense pas que je m'engagerai dans une vidéo gameplay, enfin, dans une vidéo où je finirai GTA 4. Mais je referai peut-être une partie pour vidéo gameplay. Où je parlerai un peu. J'aimerais bien essayer de me relever. Ah voilà. C'est bon, j'ai réussi. Bon, d'accord, j'ai un peu détruit la moitié de la ville. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors oui, donc j'ai parlé un peu des projets de la chaîne. Alors j'avais dit dans la vidéo spéciale Noël qu'il y aurait sûrement d'autres vidéos scénario Minecraft qui arriveraient. Cette fois-ci, c'est vraiment des vidéos scénario avec un vrai scénario. Et il y a une vidéo qui arrivera peut-être dans un mois si je m'y mets à fond.
La première partie d'une nouvelle série de vidéos sur Minecraft. Pas de vidéo, on va dire, où je dois jouer, enfin, on va dire, pas de vidéo gameplay, voilà, sur Minecraft. Mais des vidéos, donc, des vidéos scénario. En fait, j'ai déjà commencé le scénario et tout, j'ai pensé à plusieurs idées. Donc, alors, il y aura. Je participerai avec 3 personnes, normalement, pour faire cette série de vidéos. Donc alors, personne que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne, c'est-à-dire Skyfox452 et Clairsoup452, qui sont deux potes. Et on fera peut-être, enfin je ferai peut-être avec Clairsoup et Skyfox d'autres vidéos, dont celle-là. Moi, vous avez bien vu dans la vidéo, bonne année. J'étais avec Skyfox, Clairsoup. Et on avait bien dit que peut-être qu'un jour on se ferait une vidéo ensemble. En fait, j'ai déjà fait une vidéo avec lui, mais moi j'avais pas filmé. Pour ça, vous pouvez aller voir sa chaîne. Je sais pas si je penserai à mettre le lien dans la description. Sinon, bah voilà, vous allez vous chercher. Si je pense pas le mettre, vous allez sur http://www.youtube.com/éclairsoup, éclair comme un éclair. Éclair, ECLAIR, soupe comme une soupe, SOUPE 452 d'ailleurs. Voilà, donc alors vous pouvez aller voir sa chaîne. J'ai fait une vidéo sur une map Total Wipeout avec lui. Total Wipeout, pour ceux qui ne connaissent pas, est une émission, on va dire, pour les geeks. En gros, c'est un jeu de plateforme, mais dans la vraie vie. Total Wipeout, c'est ça, enfin pour les geeks. Pour ceux qui connaissent beaucoup de jeux vidéo, c'est pas tellement des geeks, des passionnés, enfin bref, on s'en fout totalement. Je ferai peut-être quelques vidéos avec lui, encore avec Skyfox. Je ferai aussi des vidéos avec moi-même, ça je vous avais pas dit. Pour cette année 2013, je vais essayer vraiment de faire toutes sortes de vidéos à contenu varié, etc. Et donc, comme je disais, j'ai une nouvelle série qui est en préparation. Et pour le moment, même mes potes avec qui je vais normalement tourner la vidéo, même mes potes ne sont pas au courant. Et non, je leur ai rien dit pour le moment. J'ai commencé le scénario de la vidéo et j'ai vraiment rien dit. Donc alors, si vous voyez cette vidéo, ben voilà, vous êtes au courant, même si je pense que je vais les avertir tout juste après. Parce que, d'ailleurs, j'ai toujours pas pensé, en fait, je voudrais bien les avertir un jour. Et commencer cette vidéo un jour. Bien sûr, s'ils veulent bien, ça serait bête s'ils voudraient pas. Bref. Voilà, sinon quoi d'autre. Je peux vous le dire, cette vidéo série s'appellera le film de la mort qui tue. Alors, la mort qui tue, oui, la mort ça tue, pour le temps on est déjà mort quand ça tue. Je reçois un appel de Paki. Ah, spoil! Vous avez rien vu, vous avez rien entendu. Vous n'avez rien entendu. Voilà. Voilà. C'est du spoil. C'est pas bien le spoil. Oh la vache, c'était rapide ça. J'ai réussi à me stabiliser. Oh la vache, redresse-toi. Ah la vache, c'était beau, c'était rapide, mais c'était incompréhensible. Cette vidéo, la vidéo série s'appellera Le film de la mort qui tue. En fait, je vous explique le concept. Ça va être, on va dire, une vidéo qui va mettre en scène 3 personnes. Donc, Clairsoup, Skyfox et moi-même. On créera. Nous, on sera les créateurs. Je ne sais pas encore décidé si on sera les créateurs amateurs ou non amateurs d'un film. On fera un film. Un screamer, en gros. On fera un screamer et cette série de vidéos, ça va pas être un screamer dans Minecraft. Ça va juste être, on va dire,
des fausses scènes coupées du tournage de ce film. Et dans le film, donc Éclair Soupe, ça sera donc le réalisateur. Sky Fox, ça sera l'acteur. Et moi, je serai en fait une voix off. Et dans le film, et même en dehors de la vidéo, enfin dans le film, dans les vidéos, et même en dehors de la vidéo, je ferai les décors. Enfin, donc dans la vidéo, j'arrête pas de dire film parce que ça, dans la vidéo, il faut un film. Moi, dans la vidéo, je serai celui qui fait les décors et je ferai vraiment aussi les décors en dehors du film. Bien sûr, Sky Fox, Claire Soupe, maintenant peut-être, ça se trouve. Ou moi, j'en sais rien, je ne prédis pas le futur, non, je ne prédis pas le futur. Non, je ne prédis pas le futur. Ah. Bref, j'ai arrêté de faire de la merde. Voilà, donc cette série de vidéos mettra en scène des personnes qui feront un film, et la vidéo, ça sera des scènes coupées, tout simplement. Alors, je vais peut-être m'arrêter là, je vais pas vous en dire beaucoup plus. Pour cette vidéo, je ferai peut-être bien une heure de vidéo. Je suis tentée pour faire une heure de vidéo détente. Parce que comme j'avais dit dans la vidéo Bonne Année, en fait, je laisse mon PC allumé la nuit pour pouvoir poster les vidéos. C'est un peu chiant, mais au moins, j'en profite. J'ai du temps pendant une nuit, il se passe beaucoup de temps. À peu près, selon comment vous dormez. Bon, pendant les week-ends et les vacances, à peu près, peut-être 12 heures. Moi, j'ai 12 heures pour poster une vidéo de 1 heure, ça devrait aller quand même. Je pourrais même m'autoriser à poster des trucs plus longs, donc vous voyez. Cette fois-ci, donc j'ai essayé de poster une vidéo, d'à peu près 1 heure. On est des fous. J'aime bien quand on est des fous parce que quand on est des fous, on est des fous. Et puis c'est fou quand on est des fous. Donc alors quand on est des fous, on est fou. Donc j'ai essayé de poster une vidéo de folle. Avec des gens dedans de fous. Je vais un peu stopper les cheats et je propose dans cette vidéo qu'on se fasse un multi. Parce que comme j'ai fini le jeu, il n'y a plus grand chose à faire. Et c'est dommage. Ok, alors je vais faire un mode libre. Mon disque dur, il va être blindé. Oh la vache. Faut que je fasse quelque chose. Oui, d'ailleurs, j'y pense. Je fais la vidéo, mais j'ai pas pensé mon disque dur s'il commence déjà à être blindé à cause de toutes les vidéos. Écoutez, je vais peut-être couper la vidéo un instant et aller voir où en est mon disque dur, parce que si j'ai plus assez de place durant la vidéo et que, genre qu'elle se coupe sans faire gaffe, ou bien alors que sans me prévenir elle s'arrête mais que le truc il est toujours rouge, ça serait un peu con. Donc écoutez, je vais couper. Et je vais vous dire tout de suite où est-ce que... Enfin, je vais vous dire. Et je vais... Si ça va pas, je vais essayer de libérer de l'espace avant de continuer la vidéo. Et voilà. Donc alors... il me parle... oula, j'ai un coup de lag. Ah, c'est en anglais, c'est comme ça les expressions en anglais. Oh merde. I don't know. Je reviens, je vais peut-être quitter cette partie parce que de toute façon ça lag toujours. Et puis je vous retrouve juste après. Allez, ciao. Les gens, alors je m'étais un peu failli parce que j'avais recommencé depuis 30 secondes on va dire la vidéo, mais en fait je tournais dans le vide, mais bon c'est pas grave. Alors est-ce que j'ai toujours pas traîneur là, ça me fait rire.
Je sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai plus de trainer. Je sais pas, je vais essayer de charger ma partie. Histoire terminée. Charger les données. Il monte quand même à 60 FPS là. Et là, ça va chuter. Et la chute infernale qui n'a toujours pas chuté parce que ça charge. Et la chute infernale jusqu'à 17 FPS, c'est magnifique. Enfin, non, pas trop, mais bon. Et là, j'ai trainer. Et c'est magnifique, j'ai toujours pas trainer. Mais cette performance. I don't know va se passer. Il y a Ice Hunter ou Ice la glace. Vas-y, sort de sa voiture. Alors moi aussi, je vais sortir de ma voiture. Ah oui, quand même, faut le faire. You have a right. Non, en fait, il a rien dit. Ouais, I don't know va se passer. Là, je n'ai point trainer. Non, il est complètement désactivé, j'ai plus accès au truc de trainer. Non, je suis pas en QWERTY, je regardais, on sait jamais. De toute façon, je crois que le F1 et le truc, c'est la même chose en QWERTY. Eshta! C'était beau. Ouais, bah là ça me dérange un peu, donc je vais peut-être redémarrer le jeu. Parce que ça me dérange un peu. Je suis trop habitué à avoir trainer, je suis trop un trop gros cheater. Jeta ! Going to die. Lalilalilol. Bam ! Bitch. Hatch. Ouais, boum. Oh la vache, le reflet qu'il fait là. Oh la vache, c'est beau. Il y a souvent de beaux reflets, mais là, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais c'est beau. Regardez tous ces petits points de reflets là. Oh la vache. Ah, c'est beau. J'aime GTA. Bam! T'as qu'à pas passer, monsieur. Alors ouais, donc je vais sûrement redémarrer là parce que ça me stresse. Donc bibelle, à tout de suite. Oh, c'est génial. Bon bibelle, à tout de suite. Religion, cette fois-ci j'ai trainer et au passage j'ai pensé un petit truc qui pourrait être pas mal pour l'ambiance de la vidéo, si on peut dire ça comme ça. Enfin, je connais, j'ai sur internet, sur YouTube, j'ai découvert un artiste, on peut dire, un compositeur de musique vraiment excellent. Alors malheureusement pour le moment il n'est pas très connu et franchement il fait des musiques géniales, du coup moi je personnellement j'adore ce qu'il fait, donc alors je me suis j'ai ouvert un programme Virtual DJ et j'ai pensé qu'on pouvait mettre un peu d'ambiance à la vidéo, et ouais, c'est à dire comme ça. Une de ces musiques, enfin deux de ces musiques, parce que j'ai deux musiques sur le feu, on va dire. En fait, j'ai une petite patine là qui permet de tout commander. Regardez, je peux même commander le son. Hop, puis voilà, là je parle, après j'ai armé. Quand je parle plus et tout. Après, hop, après quand j'arrête de parler, j'ai armé. Voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. J'ai une patine qui commande directement tout le logiciel. Donc alors, je laisse un peu profiter de la musique. Pour l'instant, j'ai créé une partie musique. Pour créer, rejoindre.
simplement génial. Je peux même changer des trucs du style ça. Et après je fais ça. Hop, voilà. Voilà. On va changer là. Alors là, il y a un joueur qui est venu, donc je vais dire salut. Juste comme ça, là, il fout quoi, là? Il fout quoi? Oh la vache! Pourquoi il s'est écroulé comme ça? Il est AFK ou quoi? Oh la vache! Le lag monstrueux! Ouf! C'était beau! Bon, j'ai une arme un peu pourrie là, je vais me... On s'est compris. Puis après je mettrai bien... Ouh! C'était génial! Et après je vais mettre la deuxième musique. Alors donc... Mais juste comme ça, comment il fait pour parler comme ça? Bref, c'est pas grave. Là, je crois qu'il a un peu un problème dans sa tête. Bon, c'est pas méchant. Hein. Si jamais tu regardes cette vidéo, même si tu es anglais, ça va être plus facile comme ça. Straight Aardvark. Du 6, et ben c'était pas, et ben excuse hein. Mais si jamais tu regardes la vidéo, j'aimerais juste savoir pourquoi tu t'es allongé comme ça.
Bonjour. What the fuck? Ah non, il s'est pas cassé. Ah non, il est là. What the fuck, il disparaît. Ah, d'accord. Ouais, c'est parce qu'il y a traîneur. Bon, voilà. Ouh, j'ai eu un freeze. Oh merde, je suis pas gun mode. Car gun mode. Bon bah on fait grimper la voiture, ok. No problème. Donc alors je reviens, donc cet artiste merveilleux créant des musiques s'appelle, enfin se surnomme Kinset. Kinset, donc un fabuleux créateur, compositeur de musique. La musique que je vous ai fait écouter, c'est un remix d'une musique, enfin c'est un remix d'une musique de Electric Joyride qui s'appelle Fall Down. Donc c'est son remix à lui, son propre remix. Et la musique que je vais vous faire écouter s'appelle Virtual Life, donc Virtual Life de Kinset. Hop, je règle le son, voilà, c'est parti. Enjoy. Yeah.
Et voilà, magnifique musique de Kinset. Kinset, magnifique musicien. Oui, ouais. J'ai rembobiné. Ouais, c'est bon, c'est rembobiné. Ouais, je rembobine, on sait jamais. Il me veut quoi? Est-ce que je peux m'ajouter de l'argent? Non. Mais ouais, je peux m'ajouter de l'argent, sauf que ça sert à rien, je suis en multi. Je vais m'ajouter une armure. Maximum de vie. Switch back to animated, c'est quoi? Je regarde des trucs. Model spawning. Tiens, je vais mettre Batman. Non, ça c'est Anthony. Batman. Ouais, Batman. Je vais mettre Bernie Crane. Ah, regardez comment il court. C'est tout ça. C'est génial. Comment il court. Cerise. On va dire ça comme ça. Dimitri Raskolov. Raskolov. Oh la vache, elle m'a échappé. Elle m'a échappé. Work style menu. Ça. Move player, move cop. Move cop fat. Ah, et sa façon de courir. Move cop search. From, je sais pas qu'est-ce que c'est écrit. Famous. On va me tirer dessus, vas-y. Alors, Bernie, voilà, j'ai trouvé le truc. Regardez. Comment marche Dimitri Raskolov. C'est génial. Speech menu. Ah ouais, c'est ça. Whoa.
Je m'éclate. Load speech slot 1. Ah bah ça marche plus. Play random speech. C'est quoi play random speech? This Jaeger crap destroys the brain. C'est génial, c'est marrant. Run, motherfuck! Slow down, you maniac! Minty, cannot catch me, you understand? Привет! Ouais, Tu crèves! Je crois qu'il est mort là. Get me a vehicle. Some speed, Nico. Thank you very much. But still kicking a bit scared. Much appreciated. There you are. Ah, c'est génial. Ouais, alors je vais faire autre chose là quand même. Voice menu. Oh. C'est génial. Mute player 9, I don't know. J'essaye des trucs, je sais pas trop qu'est-ce que je fais en fait. Speech menu, I cause it franchir. Ouais bon, vache. Ah, je suis dupe. Ah merde, j'ai pas le gun mode. Ouais, là je suis resté un bon bout de temps à trafiquer des trucs là. Alors on va cette fois-ci s'amuser, faire des trucs. Hop. Enfin, le problème c'est que là vraiment je sais pas trop quoi faire. Ça me fait vraiment chier pour la vidéo. J'ai enlevé ça déjà, ça va être plus facile pour vous. Pour moi aussi. Allez hop, je me fais éclater la bagnole. Bam, 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 bam. Et voilà. tu sors maintenant? Ah, c'est génial. Et Dimitri Raskelev, comment il marche? Oh, c'est génial. Oh, la vache. Alors vraiment je pense pas si je vais faire une heure parce que là franchement ouais je pense qu'on va s'arrêter là vraiment parce que là ça va être impossible de faire une heure, j'ai plus rien à faire je vous jure. Non là c'est bon, c'est it's finished, sorry but it's finished. Ouais. Vraiment, je suis désolé, mais là, j'ai plus beaucoup de trucs à faire. Je vous avais prévu une vidéo de une heure. J'ai pas pu. J'ai vraiment pas pu. J'en suis désolé. Mais d'ailleurs, pour en échange, j'ai fait une vidéo qui ne durera pas une heure. Mais en échange, je vais me mettre à bosser tout de suite pour la vidéo scénario.
J'ai mis bosser tout de suite. Comme là, franchement, je sais plus quoi faire sur GTA et dans la vraie vie. Et sur la vidéo. Donc, sur ce, on se quitte. Et ça a été quand même un moment de détente assez pas mal. Oh, il y a une balançoire. Un peu de musique comme ça. Pour la fin, je vais mettre le drop de cette magnifique musique. Voilà. Bon bah. Et sur ce, sur cette musique, on se quitte et à plus les gens. Allez les gens, allez, c'est bien parce que c'est vous, enfin non en fait c'est parce que, en fait je sais pas en fait, mais on va se faire pour finir le fameux l'incontestable, j'ai nommé Bug de la balançoire. Dites venir. Allez, on va se quitter sur un bug de la belle soirée. Dans droite. J'espère que je vais réussir quand même. Oh la vache. Allez! Allez! Oh la vache! Oh la vache, je touche plus à rien là! Bon, bed. Si c'est français, je ne sais point, on va pas dire. Bon, allez, c'est pas grave. Ouah, allez, on a fait le bug. Voilà. Bon, il y a eu un bug, hein. J'ai monté sur la balançoire comme ça. T'es sûr qu'il y a encore un moteur là? En tout cas, il n'y a plus de roue là. Je peux plus tourner. Allez, c'est sur ce qu'on se quitte, les gens. Ça a été un plaisir, même malgré l'absence, on va dire, de trucs à la fin. Mais ça a été quand même un plaisir de faire cette vidéo. Et je vous dis bye bye, et puis à la prochaine. Salut tout le monde.